Bienvenue, chers téléspectateurs, dans une nouvelle émission du programme écologique Terra, où vous êtes invités à suivre les derniers développements survenus sur notre planète. Voici un bref regard sur l'actualité écologique brève qui figure dans la presse. Entre le record absolu de température 45,9 degrés battu dans le Gard, des examens annulés, la canicule exceptionnellement précoce de la fin du mois de juin, devrait théoriquement rester dans les annales, mais pas si longtemps que puisque, selon une étude menée par une équipe de climatologues européens, il y aura fatalement d'autres épisodes tout aussi précoces. Voici un bref regard sur l'actualité écologique brève qui figure dans la presse. En avril dernier, la sonde japonaise avait largué un impacteur pour former un cratère et pouvoir se poser Hayabusa. La sonde japonaise a réussi à se poser brièvement sur un lointain astéroïde. Entamée en 2014, cette délicate mission qui a pour but d'enrichir les connaissances sur la formation du système solaire s'est achevée sur une réussite. Voici un bref regard sur l'actualité écologique brève qui figure dans la presse. Les conséquences du réchauffement climatique sur l'environnement ne cessent de s'aggraver. En témoigne l'accélération du blanchissement des récifs coralliens liés à l'augmentation de la température d'eau.
C'est ce qu'ont constaté les chercheurs. Il y a quelques années, ce phénomène qui menace des écosystèmes marins vitaux ne se reproduise que tous les 25 ou 30 ans. Sources d'énergie ou molécules d'intérêt pour l'agroalimentaire et la pharmacie. Des chercheurs travaillent à donner de la valeur aux algues vertes. Une partie de la solution contre ce fléau. Revoilà les algues vertes sur la plage bretonne. Ces derniers jours, alors que s'ouvre la période estivale, plusieurs baies du nord de la Bretagne ont été envahies par cette marée verte, poussant des mers à fermer leur plage. C'est le cas dont la baie de Saint-Brieuc, fréquemment touchée par ce phénomène, mais aussi celle de Morlaix. Où des associations environnementales ont constaté une poussée anormale de ces algues vertes. En plus de cela, le cheval domestique a besoin de céréales. Et de suppléments tels que le soja ou l'huile végétale. Il boit également beaucoup d'eau, environ 40 litres par jour.
Les chevaux sont prêts pour la reproduction dès l'âge de 2 ans. Les femelles appelées juments mettent bas après 11 mois de gestation un petit appelé poulain, capable de se lever et de courir moins d'une heure après sa naissance. Vers l'âge de 2 ou 3 ans, le poulain se sépare de ses parents pour aller former sa propre descendance. La vie extraterrestre serait-elle possible à l'intérieur même de notre système solaire? Des scientifiques de la NASA ont annoncé avoir détecté l'origine de la présence d'hydrogène sur Encelade, une des nombreuses lunes de Saturne. Cet hydrogène, résultat de réactions hydrothermales entre des roches chaudes et l'océan se trouvant sous la surface gelée de ce satellite. Il est propice à l'existence de la vie. Mais de quelle vie parle-t-on? En quoi cette annonce est-elle importante pour notre connaissance de l'univers? Encelade est une des dizaines de lunes qui évoluent autour de Saturne. Depuis 2004, la sonde américaine Cassini est en orbite autour de la planète et de ses satellites afin de les analyser. Au départ, on pensait que toutes les lunes de Saturne étaient des grosses boules de glace très froides. C'est ce qu'a expliqué le spécialiste de l'intérieur planétaire à l'Observatoire de la Côte d'Azur à France Info. Mais au fur et à mesure, on a découvert qu'elles étaient plus complexes que ça. Les scientifiques se rendent compte qu'Encelade, la sixième lune de Saturne par la taille, présente des rayures marquées d'activité en surface. En se rapprochant et en s'éloignant de Saturne, la Lune de 500 km de diamètre modifie sa surface. Surtout, la Lune émet des panaches de vapeur telles des geysers contenant de l'hydrogène. Cela fait longtemps qu'on a détecté de l'hydrogène dans cette geyser, explique le professeur au laboratoire de géodynamique à l'Université de Nantes. Mais on ne connaissait pas exactement son origine. On ne savait pas si cet hydrogène était présent naturellement dans Encelade ou s'il venait de l'activité de la sonde Cassini. En circulant en orbite autour de Saturne, la sonde Cassini peut en effet casser certaines molécules, comme le méthane, et créer officiellement et artificiellement de l'hydrogène. Les instruments de Cassini ont détecté cet hydrogène moléculaire en octobre 2015 quand la sonde s'est approchée au plus près d'Encelade à environ 50 km de sa surface pour traverser un énorme geyser dans la région du pôle sud. Les scientifiques de la NASA ont confirmé dans leur dernière étude que cet hydrogène est bien natif et non pas créé par l'appareil américain. Il provient des réactions hydrothermales entre des roches chaudes et l'océan se trouvant sous la surface gelée d'Encelade. Selon les estimations des scientifiques, Encelade offre l'équivalent en énergie de 300 pizzas par heure, ce qui serait amplement suffisant pour subvenir aux besoins d'une éventuelle vie microbienne. Telle qu'on la connaît, l'apparition de la vie requiert trois principaux éléments : de l'eau liquide, une source d'énergie pour le métabolisme des organismes et des ingrédients chimiques, en particulier le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre. Les données récoltées par Cassini montrent donc qu'Encelade possède quasiment tous les ingrédients indispensables à la vie. Mais il n'a pas encore été prouvé qu'il existait des organismes vivants sur place. Thank you.
couvre l'ensemble des mers situées entre le pôle Nord et le Nord de l'Europe. Sa surface et son albédo tendent à se réduire en raison du réchauffement climatique et d'un réchauffement régional. Il s'agit d'une hausse de l'absorption du rayonnement solaire par cette région du monde, ce qui pourrait accélérer le réchauffement de l'eau et la libération d'hydrates de méthane. Le terme générique de mer recouvre plusieurs réalités et peut désigner une grande étendue d'eau salée, différente des océans, l'ensemble des espaces d'eau salée en communication libre et naturelle sur toute l'étendue du globe ou encore une grande étendue sombre à la surface de la Lune. Thank you.
Cette définition confond les océans, les mers fermées ou ouvertes, ainsi que les grands lacs salés. On la retrouve dans un contexte historique ou familier, dont les vacances, la mer est bonne. Pour évoquer sa température. En contact avec un océan, elle se distingue de ce dernier par sa position géographique généralement enclavée entre des masses terrestres ou simplement limitée par le plateau continental.